Pour réaliser ce petit bonnet béret, donc on va avoir besoin de 50 g de laine avec un métrage de 200 mètres et qui se tricote en 3/4. Et je vais utiliser un crochet en 3,5. Donc par rapport à la taille, on part du haut et on va faire des augmentations donc à chaque tour au départ jusqu'à ce niveau-ci. Donc en fonction de la taille que vous souhaitez, celle-ci est pour un enfant de 2 ans. Vous réduisez, si vous voulez plus petit, vous réduisez les augmentations d'un ou deux tours. Et si vous voulez plus grand, vous augmentez les tours d'augmentation d'un ou deux rangs. On va commencer par faire un rond magique. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on doit faire 12 brides au total. Donc celle-ci compte pour 1. Deux, trois, quatre, on va continuer jusqu'à ce que l'on en ait 12. Une fois que l'on a nos 12 brides, on resserre en tirant le fil lentement, enfin doucement, et on ferme par une maille coulée. Ensuite, donc vous allez voir, ça paraît fastidieux, mais c'est vraiment très facile. On fait une maille en l'air. Et dans la première bride que l'on a faite, donc qui nous a servi notre chaînette de maille en l'air, on la prend par derrière et on fait une bride en relief. Et on recommence deux fois l'opération. Donc on reprend exactement la même et on refait encore une bride en relief. On en a donc une et deux. La suivante, donc vous voyez la bride suivante, on la pique par derrière, on la pique par devant pour la faire par derrière, et on fait notre bride en relief, une, et on en fait une deuxième. Donc on repique exactement au même endroit, vous voyez, par derrière, on repique exactement la même pour en faire une deuxième. On en a donc deux dans la même, deux et deux. On reprend la prochaine. On refait à nouveau deux brides en relief par devant. Une. Et dans la même, on en refait une deuxième. La suivante, on refait la bride par derrière, un, toujours la même, et deux. Et on recommence ainsi donc tout le tour, de devant, de derrière, sur la même. Une fois que l'on a terminé notre rang, on ferme par une maille coulée. Vous voyez, du coup, on obtient 6 pétales. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, pour le second rang, on fait une maille en l'air. Et ce sera toujours la même chose jusqu'à ce que l'on obtienne la bonne circonférence qu'il vous faut. Ensuite, donc vous voyez, on a deux brides en avant. On prend la première. Et on va faire deux brides en relief dans cette maille, dans cette bride.
recommence. Donc une, on reprend la même, et deux. Ensuite, la bride de devant part en relief, une bride individuelle. On obtient donc trois brides, une, deux et trois. Ensuite, on a nos deux brides de derrière. On va faire la même chose que l'on vient de faire devant. On pique par derrière. Maman, vous voyez bien. On en fait une. Toujours dans la même. Et deux. Il en reste une que l'on fait individuellement. Ce qui nous fait trois brides derrière. On recommence exactement la même chose. On a nos brides par devant. Deux dans la première, une dans la suivante. Un, deux et une toute seule dans la suivante, une individuelle. Ensuite, dans celle derrière, on en fait deux, une. On pique par derrière, une, et deux. Ensuite, il en reste une que l'on fait en individuel. Donc c'est très 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 facile, hein. Faut vraiment le faire en même temps pour que vous compreniez. À voir, c'est peut-être pas évident, alors que c'est vraiment mais d'une simplicité. Ensuite, vous avez les deux brides en relief par devant. Vous refaites la même chose. Une, on repique la même, et deux. Une individuelle, deux par derrière, une, on repique exactement la même, et deux. Et la suivante toute seule. Une individuelle. On continue ainsi jusqu'à la fin du rang. On ferme avec une maille coulée. Et là, on fait notre maille en l'air. Et on refait une maille en l'air. Et on va refaire un rang à l'identique. Donc du coup, on a trois brides maintenant. Trois brides devant, trois brides derrière. Dans la première bride en relief, on fera toujours une augmentation. Donc que ce soit les brides de devant ou les brides de derrière, dans la première, une augmentation. Une augmentation, toujours une augmentation. Derrière, une augmentation. Une augmentation, une augmentation. Ça sera toujours comme ça. Donc on prend la première bride individuelle en relief, on lui fait une augmentation. 1, 2. Les deux suivantes en individuel, une, et vous voyez, ça commence à bien prendre forme. Ensuite, on arrive derrière, vous voyez, 1, 2, 3. Dans la première, on en fait 2, 1 et 1. L'augmentation toujours dans la première, on est par derrière. Une,
est toujours dans la même. Et deux. Ensuite, une individuelle dans chacune qui reste, dans les deux suivantes. On recommence. Augmentation dans la première. Il y en a 3. 1, 2, 3. On en fait toujours dans la première. 1. Toujours dans la même. 2. Et ensuite en individuel. 1. Et une. Recommence derrière. On en a 3. Une augmentation. Une augmentation. Et deux. Les deux suivantes en individuel. On finit tout le tour toujours de la même manière, toujours à la première maille, une augmentation, une augmentation, une augmentation, une augmentation, toujours sur la première des mailles qui arrive en relief. Une fois notre rang terminé, donc vous voyez comment que ça commence à se dessiner, et c'est vraiment très très agréable à faire. On ferme par une maille coulée et on recommence donc la même chose que l'on vient de faire précédemment, une maille en l'air. On a donc 1, 2, 3, 4 brides, une augmentation dans la première, une augmentation derrière de la même manière, 1, 2, 3 et 4, une augmentation, donc toujours la première maille, une augmentation. Donc on fait une augmentation ici, une augmentation ici, et ainsi de suite. Une augmentation, une augmentation. On pique la première maille, augmentation, une, deux. Ensuite individuel, on a donc 5 brides, 1, 2, 3, 4 et 5, et on refait la même chose, donc dans la première maille, une augmentation, une, et 2, et ensuite les mailles individuelles. On continue ainsi tout le rang. Et l'on termine le rang par une maille coulée. Donc on termine toujours par une maille coulée le rang et on reprend toujours par une maille en l'air. Et on va recommencer exactement la même chose que l'on a fait précédemment. Donc là vous voyez, on a 5 brides, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va refaire donc la même chose, une augmentation, 4 brides normales, une augmentation, 4 brides normales. Enfin, toujours en relief mais sans augmentation, toujours une augmentation à chaque début de bride du motif en relief. On reprend, une augmentation, 1 et 2, bride individuelle.
Ensuite, par derrière, donc de la même manière, dans la première, une augmentation. Une. Et deux. Et nos brides individuelles. Vous voyez, c'est très très simple. Le début paraît un peu compliqué. En plus, ça a pas beaucoup de tête, les deux premiers rangs. Ça, on ne voit pas très bien ce que ça va donner. Mais ensuite, ça prend vite forme. Et vous allez voir que c'est vraiment très joli. Donc, on continue ainsi jusqu'à ce que l'on ait la bonne circonférence. Je pense que vous avez compris le système. Toujours une augmentation normale. Une augmentation, toujours dans la première, une augmentation. Une fois que vous avez la bonne circonférence, donc on ferme toujours par notre maille coulée. Donc voici ce que vous devez obtenir. Donc moi là, je le fais pour une enfant de 2 ans. Donc si vous voulez plus grand, vous continuez encore un petit peu. Si vous voulez plus petit, par exemple pour un bébé, je vous conseille de vous arrêter à 8 ou 9 mailles. Là j'en ai, donc on va prendre sur une feuille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc 11 devant, 11 derrière. Donc pour adulte, vous pouvez monter jusqu'à 13, 14 vraiment pour une grosse tête ou si vous avez de gros cheveux. On va faire maintenant une maille en l'air et maintenant après les diminutions, les augmentations plutôt, on va faire des diminutions. Donc pour cela, on va prendre les deux premières que l'on fait ensemble. Donc une et deux. Et l'on fait donc une diminution. Ensuite, on fait les mailles normalement. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Et les 11 mailles que l'on a derrière, on ne fait pas de diminution. On a donc 11 mailles, on fait nos 11 mailles. Une. Deux. Trois. 4, 5, donc comme je vous ai dit, aucune diminution, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Quand on arrive sur cette partie-là, donc sur cette partie-là, pas de diminution. Sur la partie en relief devant, on fait toujours une diminution en début en prenant les deux mailles ensemble. Donc une et deux. On pique dans les deux et on fait une diminution. Ensuite, on fait toute normale. Une diminution, une diminution. Donc, on va faire à chaque début de rang de la partie en relief. Une diminution. Donc, on continue ainsi sur chaque tour.
Le rang terminé, on ferme par une maille coulée. Et on recommence donc la même chose, comme je vous le disais. Donc là, c'est notre diminution. On prend donc cette maille, plus cette maille, et on refait une diminution. Donc on refait sur toutes les feuilles une diminution, une diminution, une diminution, toujours. Il n'y a que cette partie-ci sur laquelle on ne fait pas de diminution. Donc là on continue, je vous ai bien montré le principe, et on continue jusqu'à ce que l'on ait monté. Lorsqu'on a terminé donc nos diminutions, donc il reste une maille à chaque extrémité, on ferme par une maille coulée. On va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et on va faire donc la bordure avec toujours des brides en relief, mais une devant, une derrière. Une bride devant, une bride par derrière. En maille individuelle, bien évidemment. La prochaine, par devant. Ensuite, la suivante par derrière. Donc on finit ainsi tout le rang. Une devant, une derrière, une devant, une derrière, une devant, une derrière. Et on fait ainsi tout le tour, et en fait on va monter de quelques rangs. Donc toujours la bride qui se présente devant par devant, celle qui se présente derrière par derrière au rang suivant. Une fois que l'on a terminé notre bordure, on ferme toujours par une maille coulée. On coupe le fil. Et voici donc comment obtenir un magnifique béret. C'est vraiment très rapide, il faut très peu de laine. Donc la taille, c'est en fonction, vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Vous ferez plus d'augmentation ou bien moins d'augmentation si vous le voulez plus petit. Et vous pouvez, selon vos envies, l'agrémenter de deux boutons, donc qui se portent sur le côté. Ça fait toujours un petit effet en plus.